Rien n'empêche l'aigle royal de chasser, pas même une averse. La femelle a repéré quelque chose. Grâce à une vue plus perçante de biais que de face, l'aigle peut garder son objectif à l'œil durant ses manœuvres. L'aigle ne s'approche jamais de sa proie de façon frontale. Si le chasseur fondait à la verticale, le campagnol le repérerait immédiatement. Tiens, il y en a du monde dans ce pré. Ce n'est que lorsqu'il est juste au-dessus du sol que l'aigle se rapproche de la proie convoitée. Pour le campagnol, c'est comme s'il surgissait de nulle part. Le mâle a suivi toute la manœuvre, mais il ignore ce que la femelle a attrapé. Autant aller vérifier. Il restera peut-être quelque chose pour lui. Le constat est plutôt décevant. Le râle des genêts a été épargné pour cette fois. Ces oiseaux marquent leur territoire en criant. Râles des genêts, campagnols, les petits animaux font également partie des proies potentielles de l'aigle royal. Celui-ci se contente de ce qu'il trouve, avec une préférence certaine pour les animaux de taille moyenne, comme les lièvres, les marmottes, les volailles, voire les fans ou les petits chamois. L'orage approche. Les aiglons sont bien à l'abri dans l'air. La falaise les protège de la pluie et du vent. En revanche, le petit dans l'arbre est livré aux éléments. Les secours arrivent. Il s'en est fallu de peu. Le duvet a tôt fait d'être trempé. Il n'a pas encore les vertus imperméables des plumes des adultes. Le petit, qui a presque atteint la taille d'une poule, n'a plus vraiment la place de se tenir sous le ventre de sa mère. Celle-ci tente de le protéger tant bien que mal. Mais même la plus terrible des averses a une fin. Comment va l'aiglon? Il a surmonté l'épreuve avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines années très pluvieuses voient de nombreux aiglons périr dans leur nid. Mais le vent et la pluie ne sont pas seuls responsables de la diminution du nombre d'aigles depuis 4 siècles en Europe. Il y a 400 ans, les oiseaux de proie dominaient encore les airs sur presque tout le continent. Leur déclin s'est amorcé dès le XVIIe siècle. Ils ont d'abord disparu de la forêt de Thuringe et des monts métallifères, et le siècle suivant, du Harz et du Jura souabe. Peu de temps après, il ne restait plus d'aigle royal en forêt noire ni dans les fens. À la fin du XIXe siècle, le rapace avait aussi disparu des immenses forêts du Mecklembourg, de la Prusse orientale et du Brandebourg. Pour finir, les derniers aigles s'étaient retirés dans les montagnes les plus reculées d'Europe. Mais pourquoi ? Pendant des centaines d'années, les aigles ont été pourchassés sans relâche par l'homme. Le rapace était considéré comme le concurrent des chasseurs et l'ennemi des paysans et de ses animaux. Il fallait qu'ils disparaissent, comme le loup, l'ours et le lynx. Une prime à l'abattage était promise, même en Allemagne. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les rapaces sont strictement protégés et le braconnage est rare. Mais au lieu des aigles, ce sont les bûcherons qui ont envahi nos forêts. D'abord avec des haches et des scies, et ensuite avec des machines toujours plus grosses et plus performantes. Jamais auparavant, on n'avait abattu ni travaillé autant de bois à une telle vitesse. Dans certains endroits, l'abattage a doublé en 10 ans. La forêt se transforme en une zone d'exploitation forestière. Les arbres se sont inclinés face aux machines. La forêt ancestrale, riche en essences variées, cède la place à la monoculture qui appauvrit les sols. Avec la disparition des forêts millénaires, c'est l'ancien habitat de l'aigle qui est tronçonné. On adopte désormais une approche différente et dans certaines montagnes, le nombre d'aigles augmente à nouveau. Mais il faudra encore bien de la patience avant de voir réapparaître un aigle dans ces forêts. Privé de la plus grande partie de son immense empire d'autrefois, l'aigle s'impose aujourd'hui comme le roi des sommets. Deux bons mois après leur naissance, les aiglons nichés dans la falaise ont énormément grandi. Grâce à leur serre puissante, ils vont pouvoir attraper et tuer leur proie. Mais pour le moment, ils ne savent pas encore s'en servir. Une chance pour le petit visiteur. Mais il s'intéresse déjà à tout ce qui bouge. Ils ont appris à soigner leur plumage. Le campagnol est irrésistiblement attiré par l'air. Les insectes sont nombreux à cet endroit, où les petits ont été nourris de viande pendant des semaines. Et si l'on cherche bien, il doit rester quelques graines dans la structure du nid. C'est un véritable pays de cocagne pour cet omnivore. Et pour l'aiglon qui ne s'est pas endormi en attendant le prochain repas, au moins, il y a un peu d'animation. Le vulcain, quant à lui, est attiré par les déjections. Il y puise régulièrement des sels minéraux. L'endroit est si accueillant que le campagnol élève ses petits juste sous l'air. Ainsi passent les semaines, et il semble que rien ne pourra venir assombrir le ciel de l'aigle. Mais dans les montagnes, les choses évoluent rapidement. par mauvais temps, beaucoup d'animaux se mettent à l'abri, ce qui rend la chasse plus difficile pour les aigles adultes. Au froid et à l'humidité s'ajoute alors la faim, un dangereux cocktail pour le juvénile. Sentant que la fin de son frère est proche, le deuxième aiglon précipite le dénouement fatal. Il ne fait que répondre à son instinct de survie. La montagne, sous ses airs de retraite idéale, a aussi ses côtés sombres.